pénalité de libéré. Très bien. Soutiens le tir, Ivan. Se passe très bien, on est déjà en plein travail puisqu'on prépare la prochaine tournée à Wellington et à Sydney. Donc on est déjà sur le point de partir la semaine prochaine, donc ça va très vite, pas le temps de se poser trop de questions. C'est toujours le cycle le plus compliqué depuis toujours, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des malades, parce qu'on rentre des vacances de Noël, il y a toujours une relance qui est un peu particulière derrière les 10 jours que l'on donne aux joueurs. Et puis on part pour la tournée la plus lointaine, avec le plus gros décalage, la tournée où ça y est, le premier tour est passé et tout l'hémisphère sud, en général, ils mettent du copieux chez eux. Donc c'est vraiment la tournée la plus difficile et c'est par conséquent la période que je crains le plus. Donc je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Il y a aussi les changements fédéraux qui ont apporté leur petit lot de questionnements, mais qui ont été plutôt bien traités, je trouve, et qui n'ont pas positionné les joueurs, je crois, dans la gamberge ou dans le mauvais doute. Donc je suis plutôt content de ce cycle-là. On a même réussi à faire une opposition avec des garçons que l'on a fait venir de l'extérieur, qui sont venus faire valoir ce qu'ils savaient faire et qui ont du coup, qui nous ont permis de faire une opposition à balles réelles, milieu de cycle, qui est toujours importante parce qu'on doit se repréparer au combat. L'objectif, c'est de pouvoir relancer des jeunes de catégorie espoir. C'est les jeunes qui sont présents aujourd'hui, qui étaient là hier, que l'on veut évaluer avec les joueurs pros déjà en place, qui ont un niveau IRB, pour rechallenger un peu ces joueurs qui sont déjà sur le circuit et puis se permettre de voir des joueurs pour les futurs tournois et les années qui arrivent. Ça nous permet de voir ces joueurs et d'envisager de créer vraiment une véritable équipe de développement qui ne sera pas uniquement fournie par les moins de 19 ans qui sont au Pôle France. Essayer de trouver des profils qui correspondent beaucoup plus au rugby à 7 et au haut niveau. Donc c'est ce que nous essayons de voir sur ces deux journées.